Bonjour, nous allons parler donc du Jianghu, c'est-à-dire le monde de la chevalerie chinoise et de toute la mythologie qui s'est constituée autour de ce concept. Alors, une des origines justement de du Jianghu, je dirais après ce que ça veut dire, c'est un roman du XVIe siècle qui s'appelle Au bord de l'eau, de Chin Nai Han. Alors, c'est un roman qui s'est constitué d'abord par la tradition orale, une série d'histoires de bandits qui s'est transmise à travers le temps, à travers les siècles, une histoire qui a été réécrite très très souvent, qui a été enrichie et qui raconte comment des bandits se sont réunis pour combattre des tyrans et des seigneurs félons. Donc voilà, ce sont des sortes de bandits d'honneur. De toute façon, c'était des bandits puisqu'ils étaient hors la loi par rapport à des tyrans. Hein. Et donc, ils étaient 108 à peu près. Et à partir de ce récit, s'est constituée toute une mythologie alors de personnages, de combats, d'armes. Le roman est très très détaillé hein, sur ce qui concerne les combats, qui sont des combats homériques ou rabelaisiens, hein, quand on se souvient de Rabelais, comment les personnages se battent. Voilà, et c'est à peu près la même chose dans Au bord de l'eau. Et donc ce roman s'est transmis à travers les siècles. Et au XXe siècle, évidemment, il a infusé toute la pop culture, en fait. Il a donné lieu à des romans populaires, mais aussi à des bandes dessinées, mais également à des films et puis à des jeux vidéo. Donc c'est vraiment un roman qui est fondateur de la culture des arts martiaux en Chine. Et d'ailleurs, c'est quand même intéressant de voir comment quelque chose qu'on pourrait considérer comme un trésor national, un recueil d'histoire et qui est aussi une identité aussi, hein, a pu aussi traverser les siècles et être finalement toujours actif de nos jours. Voilà, alors que je vois par exemple, nous, on a accepté sans trop résister, hein, la culture Marvel des super-héros, hein, on a accepté Star Wars, tandis qu'en Chine, eh ben, ils ont continué à produire des films qui racontent cette histoire. Donc, en ayant conscience qu'ils ont une mythologie qui est extrêmement forte et qui dit, en fait, presque la même chose hein, que les épopées de super-héros ou les épopées de science-fiction qu'on connaît, mais qui en fait fait partie de leur culture. Donc, c'est peut-être aussi un enseignement hein, qu'on peut tirer chez les peuples d'Asie, d'avoir su préserver aussi leur récit fondateur, leur mythe et leur légende, puisque même nous, finalement, est-ce qu'on voue un culte particulier à Alexandre Dumas ou à Jules Verne ou à Rabelais? Pas tellement. Hein. Donc, en effet, il y a vraiment un enseignement à tirer de ça. Alors, le Jianghu, ça veut dire rivière et lac, Jianghu, et ça veut aussi dire le monde des arts martiaux, le monde de la chevalerie, le monde des arts martiaux. Et donc, c'est un monde qui est peuplé donc de tyrans ou de seigneurs félons cruels, qui est peuplé aussi de chevaliers, de lettrés qui parcourent le pays, donc d'écrivains, de calligraphes, d'universitaires hein, aussi. Si le mot a un sens, ça serait ce qui s'y rapproche le plus, hein, des clercs. Aussi de courtisanes, de maisons de courtisanes, d'auberges, de temples. Donc, en fait, c'est un monde qui est errant. C'est ce qu'on voit dans les films de King Wu, de Chang-Chi. C'est un peuple en déplacement perpétuel. Il parcourt le pays, il va s'arrêter dans des auberges, que l'auberge du dragon ou l'auberge du printemps. Les personnages vont s'allier avec d'autres. Ils vont aller combattre un seigneur. Et donc, c'est cette image qui est très, très belle d'un peuple nomade dans ce pays immense, ce qui donne aussi un très, très grand romantisme aussi au monde du Jianghu. Et c'est un monde qui est parallèle. C'est-à-dire, quand on voit les films qui sont tirés du Jianghu, enfin, bon, qui se passent dans le Jianghu, on ne peut pas les dater avec précision. Et je pense que les cinéastes
ne veulent pas les dater précisément. On sait que ça se passe, voilà, aux alentours, c'est le XVIe siècle ou le XVe siècle, sans qu'il y ait vraiment une date précise pour montrer que c'est une sorte de monde éternel, en fait. Éternel, immense, d'univers parallèle, où se croisent tous ces personnages. Alors, parmi les adaptations d'Au bord de l'eau, on a donc ce film de Chang Che, The Water Margin, donc Au bord de l'eau, dont je vais passer la bande-annonce pour montrer en fait quel était le luxe, le sérieux et la beauté des adaptations d'Au bord de l'eau. Et donc le slogan final est assez amusant, un film qu'aucun Chinois ne doit manquer, ce qui fait vraiment beaucoup, beaucoup de spectateurs potentiels quand même. Et donc là, on voit dans cet extrait là, aussi que le caractère évidemment épique de ce récit, parce qu'on a déjà tous les personnages qui sont présentés avec les acteurs, et aussi de grands événements comme la bataille décisive de tel endroit, le manoir d'un...
le manoir, la mort d'un tel. Donc, des événements clés du roman sont annoncés dès la bande-annonce, bah, pour le plaisir des spectateurs qui les retrouveront et pour les appâter. Et donc, le roman Au bord de l'eau est un roman qui est encore très lu, en fait, que tout le monde lit, dont tout le monde relit des passages, par exemple, pour le plaisir. Et donc, c'est un roman, bon, je ne l'ai pas précisé, mais il fait plusieurs milliers de pages. Hein. C'est vraiment un roman monde, hein. Un roman monde, un univers entier. Donc, je dirais que l'univers parallèle, si on considère que l'art, en fait, hein, l'art, la littérature produisent aussi des univers parallèles. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vivent et qui se passent à l'intérieur de ce roman où on peut se replonger pour échapper à sa vie, mais aussi pour participer à ce mouvement héroïque. Alors, le film dont on a vu l'extrait, il est caractéristique de la société de production Shaw Brothers, qui est indéfectiblement liée aux arts martiaux. Alors, je fais un petit rappel, hein, sur la Shaw Brothers. La Shaw Brothers, c'est peut-être pas sous ce nom-là, mais sous l'appellation Shaw, de toute façon. Elle naît en 1920, donc de la famille Shaw, tout simplement. Et c'est une entreprise de spectacle, surtout, qui va aller monter, par exemple, des musicals, des parcs d'attractions, des choses comme ça, en Asie, par exemple, même aux Philippines ou en Thaïlande. Et qui produit aussi des films, bien sûr, des films d'arts martiaux, l'art martial étant aussi la base, hein, du cinéma chinois, que ça soit en termes de combat, mais aussi des opéras, des choses comme ça, qui racontent les légendes. Pendant la révolution culturelle, enfin, en tout cas, pendant le gouvernement de Mao Tse-tung, Run Shaw, donc un des fils, revient à Hong Kong, c'est en 1957, et va donc s'investir plus pleinement dans le cinéma et lancer, dès les années 60, toute une série de films d'arts martiaux. Alors, il s'agit de moderniser le genre aussi, hein, c'est-à-dire de passer des films en noir et blanc, peut-être avec des trucages assez artisanaux. Alors, je pense au film de la faisons appel à la paume magique, hein, voyez, ou avec des personnages qui ont des rayons qui sortent de la paume de leurs mains, donc ils sont tracés sur la pellicule. Donc ce sont des choses qui peuvent satisfaire évidemment un public local, mais en tout cas qui n'est pas au niveau tout à fait des autres productions asiatiques, par exemple, je pense au cinéma japonais, ou même mondial dans le registre du cinéma populaire. Donc le but, ça va être justement de donner un cachet, de donner une force à un nouveau cinéma populaire de Hong Kong. Et pour ça, Run Shaw va s'inspirer surtout de deux courants qui sont le western italien et le film de sabre chinois. Donc voilà des films en couleur et aussi des films qui véhiculent un certain état d'esprit à la fois héroïque, mais aussi un peu désabusé, avec des héros solitaires traversant le Far West, ou alors le Japon, s'il s'agit de Ronin, donc de samouraïs errants. Donc voilà, c'est une esthétique qui est un peu mondiale, hein, dans le cinéma populaire, qui est liée, je pense, à des remises en question de valeurs, justement, de valeurs héroïques pendant les années 60, avec des choses qui sont ambiguës, des personnages qui sont ni tout blancs ni tout noirs, qui va infuser aussi le cinéma de Hong Kong, puisqu'il faut apporter aussi des héros et des anti-héros plus conformes à la mentalité des années 60. Parmi les deux... Alors oui, Run Shaw, il va donc établir un véritable empire, littéralement. Il va donc reformer le cinéma de Hong Kong en établissant une forme de star system, c'est-à-dire qu'il va construire des studios, il achète des terrains, il construit des studios, il implante sa villa au cœur de ses studios. Il y a certains acteurs ou réalisateurs qui tournent tellement qu'ils logent là. Hein. Il va éditer des magazines pour mettre en vedette, en couverture, ces jeunes vedettes aussi, pour être qu'ils deviennent des idoles pour la jeunesse. Donc il y a vraiment aussi toute la création d'un star system. Et c'est comme ça qu'en effet, il va moderniser le cinéma populaire chinois, en tout cas de Hong Kong. Alors, parmi
ses cinéastes favoris, il y en a deux surtout, il y a King Hu et Chang-Chi. Alors, ce sont ces deux cinéastes phares des années 60. Alors, King Hu, c'est un cinéaste, on va dire, c'est un cinéaste lettré, extrêmement raffiné, qui s'inspire, par exemple, des contes de la dynastie Tang, qui mettent souvent en vedette des héroïnes, c'est-à-dire des jeunes combattantes, qui, par exemple, se déguisent en garçons et qui vont parcourir le pays pour sauver leur père ou leur frère qui est emprisonné, etc. Donc, c'est un kung-fu très gracieux, très chorégraphique aussi, avec des actrices comme Cheng Pei-Pei, qui sont aussi surtout des danseuses et des acrobates, plus que des combattantes, mais quand on voit ça à l'écran, évidemment, pour nous, c'est à peu près la même chose, qui vont défier la pesanteur, qui vont, elles aussi, s'envoler dans les airs. Ça, c'est quelque chose qui a aussi trait au roman épique, hein, la faculté des personnages à accomplir des exploits physiques incroyables, comme, bon, bah, par exemple, faire les fameux sauts... saut aérien des personnages de kung-fu, ben ça vient de là aussi, hein, de la dimension épique. Et donc, un des personnages les plus caractéristiques de King Hu, c'est donc l'hirondelle d'or Cheng Pei-Pei, dont on va voir un extrait. Ta, 乔装改扮. Ta, 其貌不扬. Ta, 绘声墨策. 大醉侠，连番恶斗，场场精彩。郑佩佩，拿着。陈红令，月华，不管是花雕、高粱、一杯在手，我什么都忘。斗智、斗力，唯情难敌。 国际领导胡金铨侠情经典巨制，谁是深藏不露的天下第一高手？请问前辈尊姓大名？我叫醉猫。大醉侠。 Donc voilà, on voit un peu la grâce du cinéma de King Hu. Donc voilà, ça c'est un versant de la production Shaw Brothers. King Hu, par exemple, là, s'inspirant de choses assez traditionnelles comme l'opéra, par exemple, hein, les opéras chinois, avec des personnages qui sont très maquillés. Quand on voit par exemple le tigre blanc, donc l'adversaire de l'hirondelle d'or, il a ce visage qui est déjà comme un masque ou un visage peint. Donc il a quelque chose de très lettré, de très traditionnel, et c'est quelque chose qui va entrer plus ou moins en disant que Chang-Chi, lui, va proposer autre chose. Alors Chang-Chi, là, on le voit sur cette image, c'est lui qui est au centre, et il est à côté de son acteur fétiche, un de ses acteurs fétiches, ils sont deux, qui est David Chiang, l'autre étant Ti Lung, qu'on voit pas sur la photo. Alors, pour voir la différence entre ces deux cinéastes, hein, qui travaillent quand même le même matériau, qui travaillent le Django, donc la chevalerie, il faut voir aussi ce que devient l'hirondelle d'or lorsque Chang-Chi tourne la suite du film. En 1968. Voilà, donc vous avez vu, hein, cet univers très gracieux, c'est ce que j'appelle, moi, mais c'est pas une appellation du tout officielle, hein, c'est ce que j'appelle le kung-fu des étoffes, qu'on retrouvera par exemple chez Wong Kar-wai quand il fait The Grand Master, hein, on a l'impression que les personnages, c'est leur corps est fait de tissu, d'étoffes riches, luxueuses, extrêmement soigné, que ce sont les étoffes se croisent en fait, hein, se frôlent pour créer finalement quelque chose qui a une forme aussi une forme d'érotisme assez capiteux et étrange. Et on verra ça dans The Grand Master lorsque Tony Leung se bat avec Zhang Ziyi. On voit vraiment deux étoffes qui se mêlent, qui s'enroulent dans une sorte de chorégraphie enchanteresse.
Lorsque Chang-Chi récupère le personnage de l'Hirondelle d'Or, lui va donner beaucoup plus d'importance finalement à un personnage de chevalier qui est interprété par Wang Yu, qui est aussi un très très grand acteur de cette époque, et qui lui va apporter une violence et un style tout à fait différent. Voilà, chez Kingu, en général, il n'y a pas une goutte de sang, ou alors vraiment juste une goutte ou une estafilade. Chez Chang-Chi, le sang coule vraiment à flot. Hein. La mise en scène quitte le côté théâtral, opératique de Kingu pour aller vraiment plonger à l'intérieur des batailles. L'axe de la caméra voilà, se retourne, les cadrages sont penchés, la caméra est à l'épaule. Le personnage du sabreur ressemble au personnage, par exemple, des Ronin de Kurosawa, par exemple, ou d'Ido Ogosha, ou de Misume Kenji, c'est-à-dire des personnages qui sont capables de faire un massacre, de tuer 100 personnes voilà, sans difficulté. Il est aussi extrêmement mystérieux et mutique, voilà, avec des gestes ritualisé, cérémonieux, la façon qu'il a de se mettre en croix avec son épée, par exemple, est tout à fait fascinante et se rapproche aussi des personnages du western italien. Je pense à Django, par exemple, hein, de Sergio Corbucci,
qui arrive dans le film en traînant derrière lui un cercueil. Voilà, donc il y a tout cet imaginaire un peu ritualisé, assez morbide aussi, hein, qui est le monde donc de Chang-Chi. Alors, le monde de Chang-Chi, c'est un monde qui est dévoué donc à la chevalerie, mais dans un sens, comment dire, épique. C'est vraiment le récit épique. Je ne sais pas si on lit par exemple l'Iliade, on va avoir des scènes de bataille absolument délirantes, on va avoir des moments assez gores aussi, hein, qui vont décrire des mutilations, des flèches qui rentrent dans les yeux, des membres coupés, etc. On va aussi avoir... Donc voilà, c'est un monde qui théâtralise la violence. Le monde, le cinéma de Chang-Chi propose une théâtralisation de la violence. Le sang est par exemple extrêmement rouge, hein, rouge vif, hein, ça n'a pas du tout la couleur de sang, c'est du sang de théâtre. Et là, bon, si vous vous promenez par exemple dans l'exposition, vous avez un couloir qu'on a appelé le couloir des armes, on l'a appelé comme ça entre nous, où il y a des lances, des sabres, les fameuses lances avec des croissants de lune, hein, avec lesquels on peut se battre. Et Chang-Chi va montrer quel effet font ces armes sur les corps. Voilà. Les personnages sont souvent torse nu, ils se reçoivent des hachettes dans le ventre ou le torse, ils continuent à se battre. Alors ça, c'est aussi une constante, hein, du récit épique, hein, le fait qu'un personnage, même si c'est reçu sans flèche, qu'il a des haches posées dans le corps, et qu'il a les intestins qui sont prêts à sortir d'une plaie, il va continuer quand même, il continuera à se battre jusqu'au dernier souffle, et parfois même, ça c'est dans plusieurs films de Chang-Chi, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans le récit épique, il va mourir debout, en fait. Voilà. Il mourra figé devant une citadelle, ou alors il mourra debout sur un pont. Voilà, ça aussi c'est quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup de récits épiques fondateurs. Alors, le premier personnage très célèbre de Chang-Chi, celui qui va synthétiser un peu toutes ces obsessions, ce qu'on pourrait appeler aussi de martyr, hein, le fantasme du martyr chez Chang-Chi, où il y aurait vraiment beaucoup à dire, c'est un personnage qu'on va appeler le sabreur manchot. Le sabreur manchot, donc c'est un sabreur émérite, un virtuose, qui, à la suite, alors dans le sabreur manchot, c'est une jeune femme qui lui coupe son bras, mais parfois il peut décider, pour remplir une dette d'honneur, de se mutiler lui-même. Donc c'est un sabreur à qui il manque un bras. Alors il y a toujours une période où donc il est déchu un peu du monde des arts martiaux, il décide d'aller mener une vie d'ermite, alors que ça soit dans une cabane au fond des bois ou que ça soit comme simple serveur par exemple dans une auberge. Donc il va essayer de se faire oublier, mais les circonstances vont faire qu'il va sortir de sa retraite et qu'il va être obligé à nouveau de se battre. Il se réentraîne et évidemment son handicap le pousse à s'entraîner encore mieux et à devenir encore plus fort qu'il ne l'était avant. Quand on voit ce genre de film, on se demande, mais à quoi ça sert d'avoir deux bras puisqu'on est encore plus doué lorsqu'on n'en a qu'un. Voilà, donc tous les combattants devraient se couper un bras parce que finalement, et une jambe, puisque finalement ils sont encore plus forts ensuite. Mais voilà, donc ça c'est le principe de ce héros qui est un héros puissamment masochiste et dont justement l'infirmité va lui redonner un charisme douloureux, absolument terrassant. Alors il y a deux films consacrés au sabreur manchot qui sont interprétés par Wong Yu, qu'on a vu dans Les Rondelles d'Or, une des plus grandes stars des arts martiaux, un acteur aussi. Bon, ils ne sont pas très connus les autres, David Chang et Tu Lung, mais Wong Yu, c'est un acteur qui mériterait d'être encore plus reconnu parce qu'il a vraiment quelque chose de spécial qui annonce beaucoup Bruce Lee dans le jeu d'acteur. Je pense que Bruce Lee s'est un petit peu inspiré aussi de Wong Yu en particulier. Donc,
Ensuite, il va s'approprier le personnage qui va décliner le boxeur manchot, etc., etc. Mais bref, ça, c'est les deux films réalisés par Chang-Chi. Et Chang-Chi va réaliser ensuite un remake qui est le plus célèbre encore, qui est La Rage du Tigre en 1971, où c'est David Chiang qui donc reprend ce rôle mythique. Donc, on va regarder la bande-annonce de La Rage du Tigre, qui est un des films les plus célèbres de toute l'histoire des arts martiaux.宋国手了，风俊杰的双刀出神入化。伯大哥，有一只的三节棍，有一招是来对付双刀的。 名扬江湖的双刀，究竟如何出神入化？说那么多废话干嘛？Donc, il y avait en fait deux bandes annonces à la suite, mais bon. Mais je ne l'ai pas arrêté parce que c'est encore des images qui fascinent. Hein, lorsqu'on se retrouve devant, évidemment, on ne peut pas
C'est absolument irrésistible. Je pense que Chang-Chi mériterait d'être sacré comme un des meilleurs réalisateurs de films d'action au monde. Voilà ce qu'il a inventé, c'est comment la façon dont il mettait en scène, son dynamisme, etc. On font vraiment une exception. Alors qu'à la même époque, par exemple, le cinéma américain n'avait... Il y avait Peckinpah, évidemment, hein, qui peut être mis à ce niveau-là, mais le cinéma américain, ils n'avaient même pas réalisé French Connection, par exemple. Il n'y avait même pas encore les courses d'Hippolyte, hein, ni les grandes courses poursuites. Donc, évidemment, l'action, à ce moment-là, le pays la majeur de l'action, c'était évidemment Hong Kong, et puis le Japon, c'était l'Asie. En tout cas... Donc vous avez eu un aperçu donc de ce personnage du sabre manchot, donc personnage qui incarne vraiment le masochisme propre à Chang-Chi et ce monde de mutilation et de martyr. Alors ça c'est déjà un point, mais ce que va rajouter Chang-Chi avec des films comme La Rage du Tigre. Ou Vengeance, par exemple, c'est l'idée des frères de sang, en fait. Voilà, pour que ce monde soit complet, il faut qu'il n'y ait pas un héros, il faut qu'il y en ait deux, en fait. Il ne faut pas qu'il y ait seulement une mutilation corporelle, mais il faut qu'il y ait une addition d'un autre personnage qui est très, très important, qui est donc le frère de sang. Dans La Rage du Tigre, le sabre manchot, c'est David Chiang. Le frère de sang, c'est Ilung. Et ça va être ça à peu près dans tous les films où il va mettre en scène ce duo. Donc ça fonctionne par couple. Alors ça aussi, c'est une constante. Hein, c'est quelque chose qui rappelle le récit épique ou l'épopée. Hein. C'est par exemple Achille et Practole dans, Practocle dans l'Iliade, par exemple. Voilà, les personnages de Chang-Chi fonctionnent exactement de la même manière. Quand il y en a un qui meurt, le frère de sang va aller le venger et commettre un nouveau massacre. Et l'ambiguïté, évidemment, sexuelle qu'il y a dans l'Iliade entre Achille et Practole, qui, elle, est aussi contenue à l'intérieur des films de Chang-Chi. Par exemple, il y a quelque chose qui est très, très célèbre hein, dans La Rage du Tigre, c'est... La mièvrerie et l'inconsistance du personnage féminin. Lorsqu'il y a marqué dans la bande-annonce « chevalerie et romance », en fait, la romance, elle se crée vraiment entre les deux personnages masculins. Parce que la jeune fille qui est la fille de l'aubergiste, elle est là vraiment en tant que pure convention, pour qu'il y ait vraiment un personnage féminin. Et il y a une scène qui est très célèbre, où on voit David Chiang et Ilung qui se prennent par le bras, comme ça, par les épaules, et puis il y a la jeune fille qui demande à David Chiang, qui lui dit « Et moi, tu peux pas me donner la main ?» Et il lui présente sa manche vide de manchot, il lui dit « Bah tiens, regarde, oui, tiens ma manche. » Voilà. Et donc sa manche est vide, voilà. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui a beaucoup amusé, parce qu'il y a plein de symboles un peu évidemment... Bref, on comprend ce que ça veut dire. Alors, au niveau de la pure épopée, par exemple, le film est passé hier, mais il y a par exemple le film qui s'appelle Les 13 fils du dragon d'or, qui là, évidemment, replace le personnage des frères de sang dans le cadre d'une épopée absolument, absolument furieuse. Two princes get credit, Ching Su and Li Chun Sao, but we two, we got nothing. I'd like to settle with Chun Sao. He's the trouble. If we could manage to kill him before we leave.
got a deal with brother. We'll see that justice is done. It's a question of honor for us, and the family name. Alors, comment ça s'organise en fait entre David Chiang et Tilung? Parce qu'ils sont frères de sang, mais ils doivent être aussi complémentaires sur certains points. Donc, c'est à partir de ça dont leurs rapports vont se former. Alors, par exemple, Tilung, c'est un acteur qui est souvent torse nu. Il est souvent torse nu, donc il a un corps très, très sportif, très lisse en même temps. Il a bon, ce côté juvénile. Il incarne vraiment une force de la jeunesse, qui est encore vraiment en parfaite santé. Et lui, il est donc lié directement à la terre, voilà, à l'élément terrestre. C'est-à-dire que la force de Tilung, c'est la force de ses muscles. Il va prendre appui sur le sol, il s'y bondit. C'est parce qu'il a une certaine détente musculaire qui lui permet voilà, de faire un bond. On va voir son corps beaucoup saigner et souffrir, être maculé de sang, avoir des cicatrices. Voilà, donc lui, il est l'enfant, en tout cas la créature, des éléments terrestres. David Chiang, c'est un peu différent. Vous l'avez vu dans La Rage du Tigre, hein, il fait des sauts absolument, absolument étonnants. David Chiang, lui, c'est l'air, en fait. Son corps est un corps volatile, un corps qui n'a pas de poids ou presque pas de consistance. Il sera toujours habillé dans ses films. Jamais on ne verra David Chiang torse nu. Alors que Tilung, lui, est toujours torse nu dans quasiment tous ses films. Donc David Chiang, lui, son corps va même être un handicap parce qu'il va être souvent souffreteux. Par exemple, il crache du sang. Il est toujours un peu tuberculeux. C'est une sorte de dandy assez sombre ou ironique. Il fume aussi beaucoup avec ses fumes cigarettes. Donc, ce qui n'est jamais le cas de Tilung, hein, qui lui ne fume pas. Et donc, il a quelque chose un peu comme un dandy étrange qui traverse donc ce monde du Django. Voilà. Si on devait les comparer à des acteurs de comédie musicale, ça serait par exemple Tilung, ce serait Gene Kelly, c'est-à-dire robuste. Lui aussi, on voit Gene Kelly a des cuisses aussi assez robustes, donc qui implique un rapport aussi au sol, à la terre. Assez fort, et on le verra, Gene Kelly, faire des prouesses, mais des prouesses qui restent toujours de l'ordre du possible. Il va aussi un peu défier la pesanteur, par exemple, presque courir à la verticale sur un mur, comme ça, mais on se dit que c'est possible parce qu'il a la force nécessaire pour y arriver. Tandis que David Chiang, lui, ce serait Fred Astaire. Voilà, Fred Astaire, puisque justement, il a un corps qui a l'espèce de un peu de finesse aérienne de Fred Astaire. Voilà un côté très volatile. Et Fred Astaire, c'est vraiment l'acteur, le danseur de comédie musicale qui pouvait danser au plafond la tête en bas. Voilà, qui pouvait réaliser des choses qui étaient impossibles pour un corps et en fonction des éléments. Voilà, défier la gravité. Donc voilà, on pourrait les associer. Dire qu'ils finalement ils vont poursuivre incarner la dimension chorégraphique aussi de kung-fu, ben, qui peut avoir comme origine aussi les grands acteurs de comédie musicale américaine. Alors on va les voir dans leurs œuvres encore dans Duo Mortel, la bande-annonce. Une bande-annonce allemande, je crois. Ein Sturmwind kommen sie über ihre Feinde. Die tödlichen zwei. Ich.
David Chang und Ti Lung als die tödlichen Zwei im Kampf gegen die mongolischen Eroberer. Patrioten, die sich mit Todesverachtung gegen ihre unbarmherzigen Unterdrücker auflehnen. Die tödlichen Zwei. Zwei, die größten Stars des chinesischen Films in einer neuen Run-Run-Show-Produktion unter der Regie des Actionmeisters Zhang Che. Die tödlichen Zwei. Donc là, on a bien vu, hein, Ti Lung habillé de blanc. Aérien, c'est à lui qu'est dévolue la mission d'aller sur les ponts, hein, de passer d'un truc de pont à l'autre, d'une poutre à l'autre, tandis que Ti Lung, lui, est torse nu, terrestre, se bat aussi avec une multitude d'armes. Alors ça, la multiplication des armes toutes plus folles et délirantes les unes que les autres, c'est aussi un signe du roman épique, aussi, hein, du récit épique. Alors, il y a une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Zhang Che s'intéresse vraiment aux arts martiaux ? Est-ce que c'est quelque chose qui l'intéresse ? Alors, à mon avis, non, en fait. Je pense que la dimension technique de l'art martial n'intéresse pas du tout Zhang Che. Ce qui l'intéresse, lui, c'est l'épopée, l'héroïsme, l'homo-érotisme aussi, c'est-à-dire les serments d'amitié virile entre garçons qui terminent couverts de sang et qui meurent dans les bras l'un de l'autre. C'est ça qui l'intéresse. La dimension technique l'intéresse pas beaucoup, en réalité. Et cette dimension-là, elle est souvent ou déléguée à son directeur des combats, qui est Lucia Lang, ou Lokar Lang, si on parle plutôt en cantonais ou en mandarin. Et donc Lucia Lang, qui a donc réglé les combats des films de Zhang Che et d'un grand nombre de films de la Shaw Brothers, lui, il prend en charge donc la partie technique et même de chorégraphie technique des films. Il va réaliser, c'est lui-même devenir cinéaste, donc et réaliser ses films se déroulant dans les tombes de Shaolin, donc toute la saga du temple de Shaolin, donc la 36e chambre de Shaolin, retour à la 36e chambre, les disciples de Shaolin, mais bien d'autres. Et enfin, c'est une carrière qui est extrêmement variée, aussi en termes de films et de style, hein, puisqu'il va aussi inventer la kung-fu comédie, donc le mélange entre comédie et films d'arts martiaux. Lucia Lang, lui, va réaliser ses propres films, et ça permet aussi de mesurer ce qu'il sépare aussi de Zhang Che, quelle est la particularité de Zhang Che. Lucia Lang, ses personnages sont ancrés dans des contextes assez précis, et même des contextes historiques, politiques et sociaux précis. On a un jeune moine qui appartient à un temple.
Il est issu de la classe ouvrière ou paysanne. Et les membres de ce temple se battent contre les envahisseurs mandchous, les Qing, ou ce qu'on appelle aussi les barbares du Nord. Donc, il appartient vraiment à une communauté, à un pays, et à une situation historique qui est le moment où les Qing donc, sont devenus les empereurs de la Chine. Voilà. Donc, le personnage de Lu Xialong, lui, est très ancré dans une réalité. Et même, il est aussi très générique. C'est-à-dire, quand on voit Gordon Liu, je vais passer l'extrait, Gordon Liu, physiquement, on dirait une silhouette de manuel d'arts martiaux. Voilà, il est petit, il a le crâne rasé, il a les muscles juste dessinés comme il faut. On a l'impression de voir une figure d'arts martiaux en train de se mettre à bouger, quoi. Et il ressemble, et tous ses compagnons finalement dans le temple lui ressemblent beaucoup, quoi. Donc ce qui fait la différence entre lui et ses compagnons, c'est qu'il est vraiment le meilleur. C'est vraiment ses capacités physiques qui en font le héros, ou le fait que Lu Xialong s'attache à son parcours à l'intérieur du temple. Il arrive, c'est un paysan mal dégrossi qui se croit très fort. Et puis les maîtres, les moines vont lui dire « Manon, tu dois encore apprendre et apprendre, etc. Tu dois faire plein d'entraînements extrêmement ennuyeux, mais à la fin, tu en tireras le bénéfice. » Voilà. Tandis que les personnages de Chongqing, évidemment, arrivent avec toute leur force, leur fougue et leur énergie directement à l'intérieur du récit. Ceux de Lu Xialong se construisent à l'intérieur du récit. Et dans les films, on voit cette construction à l'œuvre. Par exemple, dans la 30e chambre de Shaolin, on a la chambre des bras, la chambre des mains, la chambre des cuisses, la chambre de l'équilibre, de la gravité, etc. etc. Donc le corps est anatomiquement construit aussi au cours du film. Donc d'un côté, on a des héros qui sont construits, qui trouvent leur achèvement dans leur accomplissement, dans la construction de leur corps par la discipline, l'art martial, etc. Ça, c'est Lu Xialong. Et pour Chongqing, on a des corps qui sont détruits. Hein, détruits au cours de combat, de bataille, de duel, etc. Mais la destruction de ce corps est aussi une forme d'accomplissement. C'est-à-dire que l'accomplissement du Kung-Fu passe aussi par une certaine idée de la destruction et de la souffrance et de la mutilation. Et, in fine, évidemment, de la mort. Hein, si on meurt pour une juste cause, évidemment, c'est comme au Japon avec les samouraïs. Hein, si on meurt pour une juste cause, notre mort devient vraiment héroïque et on s'accomplit aussi en tant qu'homme. Voilà, donc ce sont les différences et les ressemblances entre Chongqing et Lu Xialong. Alors on va voir pour le plaisir la bande-annonce de la 36e chambre. Oh!
一场由女人惹出来的大祸。Voilà, donc moi j'adore la chambre de la tête en fait, hein, parce que ça c'est vraiment donner son, des coups dans un punching ball comme ça. Donc voilà, donc chaque chambre correspond à une partie du corps, et ça c'est vraiment le cinéma de Lucia Lang, qui est en fait un cas, mais qui est vraiment exceptionnel, où la mise en scène devient elle-même un art martial. C'est-à-dire, on sait que tout est extrêmement précis, que si un personnage va faire un certain mouvement de main ou de bras, Lucia Lang va l'accompagner avec une grammaire très très précise faite en zoom arrière, en travelling, en accompagnement du corps de l'acteur. Il y a vraiment une symbiose à la fois avec le corps de l'acteur, mais aussi avec des mouvements très précis, très, très pédagogiques aussi. Sur l'art martial, sur le corps, ce qui en fait vraiment un cinéaste très aussi extrêmement singulier. Et son attachement au corps, justement, et à la pratique, aussi l'ont fait aller du côté de la kung-fu comédie, parce que c'est pas non plus un asset. Ah, voilà, c'est des personnages qui boivent beaucoup. Il y a de célèbres techniques qui est le kung-fu de l'homme ivre, hein, qui est bon. Là, voilà. Comme chacun sait, il n'y a rien de plus difficile à rattraper et soutenir que quelqu'un qui est bourré, parce qu'on ne sait jamais de quel côté il va tomber, on ne sait jamais comment il va placer son poids. Et donc, le combattant qui étudie l'homme ivre aussi peut acquérir des techniques. Et donc, ça donne lieu à des choses très comiques aussi dans le cinéma de Lucia Lang. Voilà, donc ce sont des cinéastes très, très différents. Alors là, j'avais... passer que je vais voir l'or, ouais, un extrait de Vengeance. Vengeance de Chang Che. Tu es un homme. 你一个人就算有通天的本领，怎么能跟胡大帅斗？不管对方势力有多大，我是不会罢手的。张涉勇夺亚洲最佳导演作品，只要在关晓楼得手之后杀他灭口，将来我就把胡大帅的事全推在他身上。江大伟荣登亚洲影帝代表作，前程呢？关某人不要。 Oui, alors Vengeance, c'est un film très intéressant parce qu'il se passe à l'époque, dans les années 1920-1930, donc c'est un film gangster en réalité, mais ça reste un film de chevalerie. Il fait quand même partie du Django, de l'esprit du Django, même si ce n'est pas un film médiéval. Alors la partie médiévale, elle est quand même présente parce qu'un des personnages, donc Tilung, lui interprète un acteur qui fait des représentations d'opéra traditionnel chinois. Donc la partie médiévale est quand même comprise à l'intérieur du film d'une certaine façon. Il y a un lien entre les deux. Montrer que ces gangsters sont en fait aussi les héritiers du Django. Et ça, c'est quelque chose qui va évidemment être fondamental, puisque parmi les très grands lecteurs d'Au bord de l'eau, il y a évidemment les membres de la pègre chinoise, c'est-à-dire ce qu'on appelle les triades aussi. Hein. Et donc, ces récits de chevaliers héroïques vont former aussi le fond mythologique de la pègre chinoise. Alors ça, c'est quelque chose qui va avoir... qui est commun, en fait, à toutes les pègres, hein, que ce soit la mafia aussi, qui a son propre fond héroïque, la mafia, je veux dire, italienne, que ce soit les yakuza japonais, qui ont aussi le ninkyo, l'esprit chevaleresque, hérité des samouraïs, que ce soit la pègre française, le milieu. Alors ça, c'est un peu différent parce que l'homme qui a vraiment inventé une mythologie au milieu français, c'est Jean-Pierre Melville, hein, le samouraï, le cercle rouge. Mais pour lui, il va se baser sur la résistance, en fait. C'est la résistance qui va fournir ce milieu mythique, mais à la pègre française. Mais donc, voilà, la résistance qui est aussi une chevalerie,
hein, dans un sens. Et là, c'est pour ça que ces grands lecteurs de Bordelot, qui sont les gangsters chinois, ça va mener aussi à, vraiment à la suite du Django, qui est en fait un mouvement qui apparaît dans les années 80, qu'on appelle « The Heroic Bloodshed », c'est-à-dire le bain de sang héroïque, et qui va être surtout incarné par John Woo, évidemment. Donc on va voir des acteurs comme Chun-Fat et Tony Leung qui vont remplacer Ti Lung et David Chiang. Ils vont plus avoir des sabres, quoique parfois ils auront des sabres et des couteaux, mais ils auront surtout des pistolets. Mais ils vont se servir de leurs pistolets exactement comme leurs prédécesseurs se servaient de leurs sabres. C'est-à-dire, ça va être quelque chose d'absolument magique. Ils vont pouvoir tirer des milliers de balles sans jamais recharger, etc. Ils vont faire des sauts en l'air. Voilà, ils vont aussi défier la pesanteur. Et donc, il y a une continuité qui part du Zhang-Hu, c'est-à-dire de ces récits médiévaux, et qui va se diffuser à l'intérieur du polar de Hong Kong, qui est vraiment là aussi ce que le cinéma d'action a pu produire de plus beau. Voilà. À un moment, le cinéma américain n'était vraiment plus du tout, et je pense qu'il n'est toujours pas à la hauteur de ce qu'ont pu produire des cinéastes comme John Woo. Donc on va voir la bande-annonce. Donc voilà, on retrouve hein, dans The Killer de John Woo le même romantisme. Voilà, on retrouve le même romantisme, la même exaltation de l'amitié virile et des duos héroïques. Les mêmes mouvements défiant la pesanteur et défiant la logique. D'ailleurs, John Woo était assistant, hein, réalisateur sur les films de Chang-Chi. Donc il y a aussi vraiment une continuité hein, de maître à disciple qui se transmet. Alors, arrivé à cette modernisation du Zhang Woo à l'intérieur du film d'action contemporain, on pouvait se dire que finalement, le Zhang Woo traditionnel avait tout dit. En quelque sorte. Évidemment, là, je fais une histoire où je passe de grandes étapes en grandes étapes, mais finalement, d'autres films se tournaient aussi, qui étaient plus classiques. Les séries télé reprenaient évidemment le flambeau, etc., etc. Mais on va dire que ce qu'avaient à dire les grands auteurs sur le sujet, c'est-à-dire King Wu, Chang-Chi, John Woo, etc. Est-ce qu'on avait fait le tour de la question sur cette histoire de l'héroïsme et de la chevalerie chinoise? Et en fait, non, parce qu'on peut dire que le dernier très grand film à traiter du Zhang Woo, c'est The Blade de Tsui-Hark en 96, qui est une relecture de l'univers de Chang-Chi. Mais voilà, une relecture qui va replacer les personnages dans leur cadre historique, c'est-à-dire la Chine médiévale ou post-médiévale. Comme je vous disais, c'est très difficile de situer avec précision, historiquement en tout cas ces films, peut-être que c'est juste vu de l'Occident que c'est assez compliqué. Et là, on va avoir encore une fois des personnages de frères de sang qui ont la particularité d'être des forgerons, c'est-à-dire des gens qui créent des armes, qui créent directement les épées
qui vont leur servir à s'entretuer tout simplement. Et ce monde est en péril, mais c'est un péril qui est sous-jacent, c'est-à-dire qu'on le voit très très fugitivement, c'est que commence à apparaître sur les marchés, chez les brocanteurs, les marchands de verroterie, des petits symboles qui sont des croix chrétiennes en fait. Et donc déjà, on peut dire qu'il y a un monde qui va remplacer l'autre, il y a quelque chose qui est à l'œuvre, une menace qui est plus importante et qui est plus dangereuse et sinistre aussi, que les histoires de vengeance, de chevalerie, etc. Donc c'est un monde, on va dire que c'est un film de sabre crépusculaire, selon l'expression consacrée, sur un monde qui est en train de s'effondrer, qui est donc le monde de la chevalerie chinoise classique. Voilà. Faire entrer cet élément hétérogène qui est celui des croix chrétiennes, des missionnaires, montre qu'on va vraiment passer à une autre époque. Et tout le film est empreint de cette nostalgie, de cette nostalgie de l'héroïsme et des frères de sang et de la camaraderie qui apparaît vraiment comme un rêve qui est en train de s'effacer. Et tout ça mis en scène avec une maestria absolument éblouissante par Tsuark qui donne au cinéma de sabre, au Wuchapian, comme on appelle ça, Wuchapian, et au Django, vraiment, ces derniers feux et ces derniers sangs, en tout cas.人在江湖，究竟江湖喺边？又系一个点样嘅地方？每个人都有佢嘅江湖，而我嘅江湖就系两个男人。其实每个男人都系一把刀。 江湖上有多恩怨，啱或者错，根本分唔清楚。啊！艾德利，艾德利，艾德利，艾德利，师傅，佢哋都系想帮人啫。喺度，师傅，生火啲时候嚟错，佢飞，飞咩？佢系咪会飞噶？师傅，我一就。 你都唔会伤住沙咧，即系凶手话俾你知。每个人心入面都有一把刀，有刀就有斗争。而所谓嘅江湖，就系一颗充满刀光剑影嘅心。放手啊！避开我！避开我！ Donc dans The Blade, l'homo-érotisme de Chang-Chi, l'ultra-virilité héroïque est revisité par Tsuark en faisant du film d'une certaine façon la rêverie d'une jeune fille qui rêve de voir, qui imagine comment ses deux amants potentiels vont s'entretuer pour elle. Et donc le film prend naissance aussi dans cette forge, là où sont forgées les armes qui vont servir aux mutilations, à la vengeance. Et Tsuark revient aussi sur cette conception de l'héroïsme. Il y a un
Mais qu'est-ce que ça cache finalement? Ben, ça cache aussi des guerres réelles. Ça cache des sentiments tout à fait morbides de vengeance. Et ces lames ne vont pas seulement séparer les corps, les couper en deux ou les mutiler, ils vont aussi mutiler les âmes et l'histoire des personnages. Il y a un personnage qui est absolument bouleversant, hein, qui est un personnage d'orphelin ou d'orpheline, on ne sait pas, hein, puisque elle a un genre qui est tout à fait flou. C'est quelqu'un qui ne sait pas à quel sexe elle appartient, qui ne connaît pas son histoire, qui ne connaît pas ses parents, qui ne sait même pas comment elle s'appelle. Donc, qui a été coupé aussi d'énormément de choses, en effet, d'un lien avec la communauté, que ce soit un lien historique, un lien de genre sexuel, mais aussi un lien familial. Et donc, qui est complètement perdu de façon hystérique et folle à l'intérieur de ce monde où les gens se combattent, se tuent pour entraîner des vengeances qui entraîneront d'autres vengeances, puis d'autres vengeances, pour finir par s'abolir complètement parce qu'ils n'auront rien créé, finalement, rien créé d'autre que des armes, du sang et de la violence. Donc ça, c'est le regard qui est extrêmement acerbe et dur, et aussi très critique, de Tsuark sur ce genre-là, hein, sur le genre du Wutsapian, et aussi sur ce monde du Jiangu, donc de la chevalerie chinoise. Voilà, donc moi je m'arrête là, mais je suis tout à fait prêt à écouter des questions, des remarques, ce que vous voulez sur ce qu'on vient de voir. Voilà, si vous pouvez passer un micro. Merci pour cette présentation. J'ai assisté aussi au documentaire et justement, il était question des manifestants de Hong Kong qui utilisaient les arts martiaux. Donc, est-ce qu'on peut penser que ce cinéma a encore une influence aujourd'hui pour déclencher une espèce de chevalerie dans l'époque moderne? Je pense qu'on ne lit pas et on ne relit pas sans fin, sans cesse, ces histoires de chevaliers. Sans que ça ait une influence, hein, sans que ça forme les caractères de certains. Et de toute façon, tous les personnages sont dehors la loi. En fait, à partir du moment où le seigneur félon ou corrompu, les fonctionnaires corrompus ont décidé que ces personnages étaient hors la loi, ils le deviennent de fait. Hein. Voilà. Donc, je pense qu'en effet, on pourra remplacer le gouvernement chinois par les seigneurs corrompus et cruels, et puis les manifestants peut-être par les chevaliers. C'est tout à fait possible qu'une nouvelle chevalerie se mette en place. Bonjour. Déjà, merci pour cette présentation assez concise et passionnante. Tu parlais de Belleville, et c'est vrai que de l'homoérotisme, voilà, quand on voit certains films de Jean-Pierre Belleville qui a été résistant, qui a été un chevalier quelque part, qui s'est basé évidemment sur le polar américain, le milieu français et une certaine poésie du asiatique. On ne peut pas appeler décemment ces films le samouraï ou le cercle rouge et se référer à une certaine culture asiatique sans en être emprunt. Et c'était savoir si si quelque part, même si quelque part, tu dis que la chevalerie, enfin que le, pardon si je, mais il y a eu quand même eu de chevalerie occidentale, il y a eu les romans de gestes, des romans comme la chanson de Roland, quelque part, ce que Campbell a essayé de pointer du doigt, c'est quelque part ce qu'on voit avec
cette exposition, c'est que en fait, tout est universel, la chevalerie est universelle, que ce soit dans la Mésopotamie, en Asie ou n'importe où. C'est juste l'histoire qui crée un contexte. C'est vrai, c'est fascinant, hein, cette permanence de la chevalerie entre différentes époques, différents. Oui, je pense que dans le cas vraiment de la pègre, je pense que la pègre ne peut pas exister si elle n'a pas l'idée aussi de la chevalerie, en fait. Si elle ne se met pas du côté du peuple un moment, même si c'est imaginaire, même si c'est du fantasme, on ne peut pas être juste des truands qui veulent de l'argent et assignent des gens. Il faut quand même avoir un idéal quelque part, que ça reste même comme un fond mythologique, même si c'est imaginaire, même si c'est fantasmé ou hypocrite aussi, même si on n'arrête pas de s'auto-légitimer en rappelant que finalement on est des mafieux calabrais, mais ce qu'on défend c'est les paysans, etc. Malgré tout, il faut qu'il y ait ça, parce que sinon on peut pas exister. Sinon, c'est peut-être même psychologiquement impossible de faire ce qu'on fait si on n'est pas voilà. Mais oui, et la recréation d'une chevalerie française pour Melville. Alors on peut parler de Melville parce que Melville est quasiment un cinéaste asiatique, c'est vrai. Hein, c'est comme Alain Delon est quasiment un acteur asiatique. Enfin bref. Et c'est qu'à un moment, Melville avait besoin lui-même pour créer, pour écrire ce scénario, pour mettre en scène ses personnages, il avait besoin de créer une mythologie. Et la mythologie la plus proche et la plus... c'était la résistance, en réalité. Non, mais je pensais aussi à... Là, ça vient juste de... notamment les Apaches. Oui, 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 les Apaches également, oui, oui, bien sûr. Oui, oui, eux aussi, qui ont aussi leur code d'honneur et tout ça, en effet. Ok, ben voilà, donc on arrive à la fin. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis, ceux qui n'ont pas visité l'exposition, allez-y, parce que vous verrez donc ces fameuses armes. Et on est forcé d'avoir un petit frisson quand même, en se disant que les armes qu'on a dans cette exposition, elles ont servi quand même. Elles ne sont pas là pour rien. Voilà, merci.